Mon métier, c'est la musique. Moi, je suis musicien. Pas tellement pianiste, mais écriture, sur un plan de composition au conservatoire. Et un jour, j'ai échoué pour des besoins d'argent. Dans des cabarets, j'ai accompagné beaucoup de gens de l'époque. Et ce zozotement, ce bégaiement, j'ai remarqué que je bégayais quasiment plus maintenant, parce que j'ai resté fort de volonté, de voir ça mieux élevé, de parler sans qu'est-ce qu'il dit, quoi, qu'est-ce qu'il, pourquoi. Mais je zozote toujours, parce que ça, j'ai tédé très longtemps. C'est pas passionnant, mais c'est la vérité. Et en force de têter jusqu'à 8-10 ans, je têtais, ça a développé ma langue. Avec cette langue fait que je zozote, mais j'ai pas joué avec. Et à une époque, j'avais le trac tellement, quand je passais au train Baudet, tellement trac que je bégayais naturellement de trac, et parce que je suis bègue, j'étais bègue. Et que je, sans en jouer beaucoup, je me suis aperçu que les gens riaient de ce bégaiement. Sur les combinards, j'aimerais vous nous parler un peu de vos souvenirs de tournage. Si... Ah ben, plaisir. Je vous en parler avec d'autant plus de compétence que j'ai aucun souvenir, ce qui s'appelle aucun souvenir de ce film, si c'était qu'il y avait une bonne ambiance, je suis certain, et que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'était très marrant, qu'il y avait une très bonne humeur sur le tournage. Mais alors, vous dire si dedans il y avait Yves Montand, s'il y avait Charlie McLean ou Julie Roberts, je ne sais pas du tout. Oui, alors, à une époque, j'étais complètement inconscient, je le dis toujours, mais beaucoup moins. Il m'arrivait de tourner le matin, j'allais dans un studio, par exemple, Épinay, et je ne savais pas quel film je tournais, et je demandais au concierge. Je dis, dites donc, il y a des films qui se tournent avec Darry Cole. Il me dit oui. Lequel? Alors, et c'est qui met en scène, etc. Et vous n'avez pas une brochure que ça va qu'on tourne ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon. Pareil, l'après-midi, je fonçais l'après-midi ailleurs, enfin, je ne sais pas où. Et même système, enfin, je ne savais pas. C'était dingue. Comme je jouais dans les casinos, enfin, dans les salles de jeu, et que je perdais toujours, Dieu merci. Enfin, Dieu merci, c'est ça qui m'a fait que j'ai arrêté de jouer. J'ai besoin de pognon. Alors je téléphonais la nuit à mon agent, je dis coco, il faut encore tu trouves un film, mais tu veux pas lire, j'ai rien à foutre de lire le film, je tourne. C'est comme ça que j'ai fait 100, j'en suis à 162. 162 films, c'est quelque chose, enfin. Dont il y en a bien 140, bon, je suis honteux. Mais je dis ça comme ça, parce que. Alors maintenant, je fais gaffe. Je fais très très attention. Et depuis, je me sens le sentiment de commencer une carrière. J'ai le sentiment que je ne jouerai jamais le Cid. Et je n'irai jamais vers la tragédie. Mais je suis capable, peut-être suis-je capable de jouer des rôles très très humains et un peu émouvants. Enfin, comme a fait M. Ferrandel, par exemple, qui a, avec grâce à Pagnol, il a eu des rôles très forts où il a fait pleurer les gens. Il me disait. Moi, j'ai jamais autant de plaisir, je m'amuserai jamais autant, je me suis jamais autant amusé que quand dans ma tête, je savais que ce que je disais allait faire pleurer les gens, le spectateur allait sortir leur mouchoir et pleurer, et ça m'amuse beaucoup. Tandis que moi, j'ai envie de rigoler. Et je le sens, ça, je comprends très bien. Tandis qu'il jouait la comédie de manière émouvante, de manière à ce que les gens chialent, et lui, ça l'amusait beaucoup. C'est fantastique comme. C'est vrai ça. C'est le rôle d'un comédien ça. On va parler un petit peu du film qui a fait la renommée de Darry Cole que tout le monde connaît, c'est le Triporteur. Ah bah oui, le premier, oui. Oh bah j'étais inconscient là, je veux dire, je tournais, d'ailleurs, j'ai même pas souvenir du tournage. D'abord, c'était très sympathique, un tournage charmant, comme le film de M. Jean-Claude Roy, mais comme toujours d'ailleurs. Et. Je jouais avec Francis Blanche toute la nuit, je jouais au Monopoly. Il habitait à côté à S-Village, dans son petit nid d'aigle là-haut. Et toute la nuit, on jouait au Monopoly. Et le matin, j'allais à la Victorine, tourner. Et j'allais dormir.
Une fois que j'étais maquillé, je m'allongeais, et les machinaux qui portaient les arcs, en fait, les projos, tout ça, ils mangeaient en bain. Je ne me réveille pas, il dort. T'entends, coco, c'est à toi, qu'est-ce que je dis? Alors, j'avais la mémoire. Et puis, hop, j'étais dans une humeur extraordinaire, entouré de gens très sympathiques, comme toujours, puis des footballeurs, voilà, et puis le metteur en scène, Pinotto. Mais ce film, c'est dingue, ça m'a... Des gosses de 5 ans à Les Vaubrel, dans la rue, me disent à Les Vaubrel, c'est extraordinaire l'impact de ce film. Ben voilà. Et vous mentionniez Francis Blanche, vu que... Enfin, vous avez eu un sacré filmographie ensemble. On a fait beaucoup de films ensemble, bien sûr, parce que... D'abord, j'allais le voir souvent dans son... À Esse-Village, là-haut, dans son petit machin. Dans sa petite maison. C'était un personnage merveilleux, Francis. Et je crois que les films se tournent dans la bonne humeur. Il y a eu l'équipe du Père Noël était une ordure, enfin, tous les mêmes, ce groupe. Puis le temps passe, puis ça fait qu'à un moment donné, ça s'effrite, place à autre chose. Il y aura toujours des groupes. Il y a eu l'équipe de Robert Derry, à une époque. Il y a eu Robert Tati avec son équipe. Enfin, c'est des réunions qui se. Comme ça, et puis ça. Puis ça se disloque, ça se dissout, puis place à d'autres. Depuis 4 ans, je pense m'étais au sérieux. Je ne joue plus du tout et je deviens un professionnel de ce métier. Mais c'est pas pour ça que je suis triste. Hein. Je suis content d'élargir ma palette de comédiens pour essayer de prouver que je peux faire autre chose que le petit canaillou et bégayer. Il s'avère que des gens sont désireux de... Au théâtre, ça s'est passé très nettement d'ailleurs. Ça a commencé au théâtre où j'ai joué des pièces... pièce de Durenmat, pièce très dure, très costaude, et là je faisais rire et j'étais très, pas émouvant, mais j'étais très là, j'étais avec des gars de la Comédie Française, j'avais un trac, et je crois que je peux là-dedans étendre ma palette. Vous avez joué avec tous les comiques sur les 50 dernières années, vous avez tous les grands comiques français de notre temps, vous avez... Oui, tous, je crois tous, sauf De Funès. C'est un très bon copain. Ah ben, pas du tout, il n'a pas voulu. Pas une seule fois, j'ai tourné avec... Vous avez joué dans plusieurs films avec lui, pourtant. Enfin, vous êtes aucun, la même, mais pas... La même distribution. Ah ben non, ça, je vous le garantis, il n'a jamais toléré que je sois dans un de ses films. Il ne s'agit pas de... Ah non, 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 non. Ah, voilà, ou alors, il me l'aurait caché. Courte tête. Courte tête, c'était... Il tournait dedans? Ah oui. Non, mais c'est ce que je Ah, ben j'ignorais alors, c'est j'ignorais vraiment, complètement. Non, mais c'est justement comme. Parce que ça revient au personnage à une époque, avant le reporter, on engageait Darry Cole parce qu'il faisait son numéro. Ah oui, dans un petit machin, ben c'est ça, oui. Il arrivait, le film s'arrêtait, vous faisiez votre numéro. Ah, ben je savais pas qu'il tournait dedans. Vous tout le monde, et après le film reprenait. Ah, ben oui, ça c'est possible ça, mais je savais pas. Je savais pas qu'il tournait dedans. Hein. Et, je savais pas mettre dedans. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Hein. Eh ben c'est pareil, écoutez, si je ne connaissais pas le nom du metteur en scène, il n'y a pas de raison que je connaisse le nom des comédiens qui jouaient dedans. On va parler d'autre chose. je voudrais vous parler deux secondes de Touchez pas à la femme blanche, parce qu'il paraît... Enfin, j'ai lu quelque part, vous étiez assez content du film de Marco Ferreri. Vous savez, ah bah oui, ouais, c'est un amour. Délirant. C'est un amour, t'es un monsieur très doué. C'est un vétérinaire, si j'ai bonne mémoire. Il était vétérinaire de métier, puis il s'est lancé dans le cinéma. Là, j'ai pris des coups de sabot dans la gueule. J'ai souvenir... Mais il n'a pas marché, le film, d'ailleurs. Ah non. Il n'a pas marché. Mais il y avait du beau monde dedans, putain. Il y avait Piccoli, non? Catherine Deneuve. Et Deneuve. Anthony. Oui. Et puis, il y avait l'Italien connu. Très bon comédien. Là-dedans, ce film-là. Hugo Tognazzi. Qui? Hugo Tognazzi. Oui. Bah oui, mais c'est pas ma faute. Hein. Et il y a certains films, Les Tribulations. Avec le Père Méchère, là. Il y avait Belmondo, là, j'ai tourné là-dedans. Ben là, il n'y avait pas comme. Alors, j'ai de la mémoire tout de même. Ouais. Et ben oui, et ben là, je me suis payé un voyage fabuleux. Et j'étais avec Gilles Delamar, qui était le. Gilles Delamar, il tournait dedans, oui. Il faisait travailler au 35e étage de l'hôtel Hilton, Belmondo à la barre fixe. Il s'enfoirait de la mare,
il s'amusait à faire de l'équilibre sur un truc comme ça, du 35e étage, avec l'air dans la rue. Alors moi qui l'ai été sur une siège, sur une chaise, on était fâché. J'attrapais, j'ai dit, et putain, machin, et je te l'air pas, il était fou. Il aimait le danger. Il aimait le danger, comme tous les cascadeurs. Et à force de côtoyer le danger, de vaincre le danger, parce qu'ils travaillaient beau, ils étaient très méticuleux, ils sont très précis, ils sont appelés par le danger, le vrai danger. C'est fou ça, et c'est vrai. La preuve, c'est qu'il s'est tué à 30 à l'heure, au volant d'une voiture, tranquille, parce qu'il a commencé, à prendre moins de sécurité. Il voulait le petit frisson, c'est ça le cascadeur, il aime le frisson. Il se garantit au maximum, à 800%, mais il aime le petit danger. Mais le film de Jean-Claude Roy est très marrant, hein. Il est très marrant, c'est une très bonne idée. Dans notre siècle, il y a eu Ribes, il y a eu Serge Guitry, il y a eu Anouilh, mais il y a Ribes. Un grand, grand, c'est un grand, grand. Et dans Jésus-Christ, il y avait du bon, ben rien, il y avait Serrault, il y avait Coluche. Et Jean-Yann a mis en scène et il y avait des clans. Bon, c'est bizarre comme aventure. Il faisait beau. Il faisait beau en Tunisie, ou un truc comme ça. Il faisait beau, il y avait Prébois. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont plus là sur la terre, mais souvenir très, très charmant de Coluche. Mais il n'y a pas une bonne entente dans l'équipe, c'est bizarre. Et Trop d'univers différents, enfin, trop de... Possible. Puis c'était, oui. Ça s'est effrité, là. Mais tous ont beaucoup de talent, et tous étaient délicieux et charmants. Et moi, j'étais neutre. Et il me faisait la gueule quand j'allais bouffer chez l'un et pas chez l'autre. Tu as pas de bien chez moi. Non, attends, je lui ai promis à bas que c'était. Mais j'ai un souvenir. J'en ai connu des gens. J'ai tourné avec des gens, vous n'étiez pas nés, vous. Chut, ben si, avec Charles Boyer. Tourner avec Charles Boyer, ça ne vous dit rien, ça. C'est après la révolution de 1789, d'ailleurs. Avec Guitry, j'ai fait mes premiers films, je crois que l'un de mes premiers films, c'était avec lui, Assassin voleur, avec Serrault Poiré dans le box, si j'ai bonne mémoire. Il m'avait dit, voilà, un film avec vous, je serais ravi de ça. Il me donne 3 pages de texte. C'est un mec qui se gourde de salle d'audience. Je viens plaider, je viens témoigner pour un truc qui n'est pas du tout là. Et il me sort 3 pages de Guitry, fabuleux. Je lui dis, donc, je ne suis pas comédien, moi, tout ça, dire tout ça, et c'est... Alors, je garde votre idée qui est somptueuse, vos textes, je vais les apprendre, promis. Mais moi, avec votre idée, vous me laissez faire ma version. Et puis, il me dit, d'accord. Regardez mon idée, d'accord. Alors, d'accord. Eh bien, je dis, alors, je vais m'écrire mon petit machin, tranquille. Et on commence par quelle version, moi. La vôtre ou la mienne, on va tirer ça pile ou face. Et à l'époque, je connaissais des truands, quand je faisais les trois Baudets et Rue Cousteau, il y avait des pièces de monnaie, il y avait 2 piles ou 2 faces. Alors je dis pile, je commence, moi, je tire, pof, pile, regardez, et pile, on a fait ma version. Donc d'abord, et je mettais en scène. Donc j'avais 4 caméras, plan éloigné, plan américain, plan rapproché, tout ça. Et là, je m'étais fait un fil. Il m'a dit, tu vas aller de là à là, pour aboutir là à là, machin, etc. C'est possible. Une prise, les gens riant, tout ça, beaucoup. À l'époque, au cinéma, il fallait attendre un quart d'heure entre chaque prise pour voir. Ça s'appelait des essais, pour voir si c'est bien, s'il n'y a pas de problème, tout ça. Et une fois que les a été faits, il dit, payez ce monsieur, merci de votre école. Moi, j'étais heureux comme tout, je n'avais pas son truc à dire, putain. 4 pages de Guitry. Et voilà. Donc, et puis après, j'ai fait d'autres films avec lui. Il était délicieux, ce monsieur. Il était délicieux, il a une fin moche. Voilà. Puis après, il y a eu le film Jean-Claude Roy.
la boutique. Qui? Jean-Pierre Mocky. Ah ben, c'est tourné, ça tourne, non, c'est un collégien charmant, il a du talent, bourré de talent, et il fait joujou avec le cinéma, c'est un grand jouet pour lui, le cinéma, même pour lui d'ailleurs, c'est un grand jouet. Alors les comédiens sont des outils, mais il crie tout le temps, mais il est très gentil, il est pas méchant du tout, mais il a du talent. Il vient à la maison un jour, mais je pense à vous pour un film. Vous avez des costumes, pour voir un peu le costume. Il est parti de chez moi, il y a de ça, putain, 15-20 ans. Il a pris deux costumes, je n'ai jamais revu de ma vie. C'est fabuleux, mais j'ai fait avec lui trois films, je crois. C'est extraordinaire, parce qu'avec Lelouch, on ne sait pas à quel moment on tourne. C'est la force de Lelouch, hein, tous les metteurs en scène, il y a... Peut-être prête, ça va en moteur, là, action, et là on démarre. Jamais le Lelouch. Enfin, avec moi, je ne sais pas comment il pratique avec les autres. Il allait trouver Belmondo, il dit tu vas parler avec Larry, tu vas lui parler, je vais vendre un bouquin à Belmondo, tu vas lui parler, tout ça, puis parler, tu vas parler des Misérables, c'est comme ça qu'on fait, hein, d'accord, etc. Alors, moi, je parle avec le machin, puis je déconne. Alors, il y a eu 17 prises. Pebel avec Belmondo, 17 prises, sans savoir que je tournais. C'est fabuleux. Jamais, il y a eu une moteur, action, jamais. Quand la pellicule 300 mètres et la bobine était morte, il vient me trouver, on parlait d'autre chose. Puis on me rechargeait, etc. Hein? Donc, un souvenir très. Comme toujours, j'ai aucun mauvais souvenir finalement.